Chazak o Baruch Beruchim Tiyu. On est le 21 dans le mois de Tammuz. 21 en hébreu, c'est Ach. Ach, c'est en général quand on a mal, hein, quelqu'un qui reçoit un coup. Ach, c'est vrai qu'il y a 21 jours dans l'année où on fait le Hallel complet avec Bracha. Pour être bien précis, c'est 21 jours dehors d'Israël. En Israël, c'est 18 jours. Mais comme il nous apprend Shlomo HaMelech, le roi Salomon, Zel Erumadze Asa Elohim, toujours face à 21 jours de joie à fond, il y a 21 jours maigres, on les appelle en français, c'est ces 3 semaines où on est en ce moment, Ben HaMetzarim. Pour savoir bien traverser cette période-là, il faut que chacun de nous réalise qu'il y a des moments où on a mal. Ça n'existe pas une vie à 100% tout va bien. Le Stipler, le père de Rav Kanievski, Rabbi Israël Kanievski, il a écrit un livre Hayer Olam. Et là-bas, il amène une preuve que même quelqu'un qui est au top, il est joyeux, tout va bien, une petite chose qui le gêne casse toute la joie. Comment c'est ? Rivka, dans la Torah, Bereshit, chapitre 27, hein, elle avait tout. Le pain, il était là, la tente comme Sarah, les nuées, Bracha, un mari comme Yitzhak, un fils comme Yaakov. Et elle est venue voir son mari, elle dit, « Imlokeach, katzti behayay mipene benotret, imlokeach Yaakov lamalichayim. » J'en peux plus de la vie. Si Yaakov il va se marier avec une femme d'ici, ça ne sert à rien ma vie. Quoi ? Avec tout ce qu'elle a, la joie, ça ne sert à rien la vie ? Qu'est-ce qu'on apprend de là ? Chacun de nous, quand on traverse des moments durs, maigres, ça gâche la joie. Mais, alors pourquoi Dieu le fait pour nous ? Voilà la révolution. Hein. Chacun de nous a fait des péchés. Pour faire des péchés, il faut se faire pardonner par des épreuves. Rabbi Nachman Ibrestev, dans une Torah formidable, c'est la 115, il nous apprend que Moshe Rabbeinu était cherché la Torah où ? Au Moshe Negash et l'Arafel, à Shershama Elohim, dans le brouillard. Car Akadosh Baruch Hu, il se trouve là-bas, on le sent plus présent dans le brouillard, dans les épreuves, que dans la lumière. L'épreuve, où tout le monde dit les Tehillim ? Dans l'hôpital ou devant le loto ? Dans l'hôpital. C'est normal, même quand quelqu'un il est en tristesse, il est en deuil, on va sentir plus avec lui que quelqu'un qui est dans la joie. On ne va pas sentir comme si on est nous les mariés, si ce n'est pas nous. Dans ce cas-là, chers amis, voilà le message d'aujourd'hui. Comme on doit traverser 3 semaines comme ça, on doit juste être réaliste avec une métaphore personnelle. Comme si on est sur un île, tout seul, il y a des vagues, on risque de se noyer. On a un téléphone, il nous reste 3 secondes. L'hélicoptère, il est là, qu'est-ce que je vais dire ? Tout va bien, j'ai un coca. Non, ce n'est pas le moment. Toute l'année, oui. Mais là, il faut dire, au secours, j'ai des problèmes, je veux les enlever. Et voilà le jackpot. Hein. Comment on les enlève ? Si les épreuves existent, parce qu'on a fait des péchés, on peut les échanger avec des bonnes épreuves. Roi David Tehilim, 23. Ach, Tovahes Sedir Defouni. Le Ach, les 21 jours, on peut le transformer avec Tovahes Sedir Defouni. Ça veut dire quoi ? Des épreuves light. La Gemara Erchin, tout le monde connaît, page 16. Le café, il s'est refroidi. T'avais changé des pièces, tu voulais prendre 5 shekels, 10 shekels, ou t'as mis le pull à l'envers. C'est des bonnes épreuves, il faut juste remarquer que c'est des épreuves. Remercier Dieu que ça reste que des épreuves comme ça. Et comme ça, on termine ces 3 semaines maigres. L'hélicoptère, il vient nous sauver. On sent Dieu plus présent avec nous pendant ces périodes-là. Et Rabbi Nachman Breslev nous dit comment il est dans le plus bas, c'est là où le toboggan commence. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Lazar. Amar Rabbi Hanina.